C'est bon. Donc, installer un piège. Donc, je vais en faire deux. Le premier, un collet simple, ce qui est le plus facile à faire. Donc, pour faire un collet, ça vous prend du fil de laiton, OK, pour faire des collets. Alors, ce que vous devez faire au départ, c'est faire une petite loupe, comme ça, à une extrémité de votre fil. Ensuite de ça, l'autre extrémité, vous venez la passer à l'intérieur, ici, comme ça. Et, étant donné que c'est un collet à lièvre, les lièvres, on utilise à peu près la grosseur de notre poing. Ouais, la grosseur du poing, James. Puis, ensuite de ça, on vient placer le collet, préférablement sur un sentier que le lièvre va utiliser, à un point du sol. Si on le place trop bas, la tête ne se poignera pas dedans. Si on le place trop haut, il va passer en dessous et il ne se poignera pas dedans. Donc, le collet est installé. Il est à... un point du sol, comme ça. Donc, si je suis mon petit lièvre, je cours, ouf, saute dans le piège. Et voilà. Et mon ratage ici. Fait que c'est la chose la plus simple à faire au niveau des pièges. Si jamais vous posez des collets, c'est important de vérifier à tous les jours. C'est illégal de trapper. Donc, ça vous prend un permis de trappe que vous devez aller chercher. Puis, ça vous prend également un cours pour pouvoir trapper. Puis, si vous trappez un animal et vous l'attrapez, vous êtes responsable d'en disposer adéquatement. Les gens qui trappent le font pour la fourrure, puis aussi pour la nourriture. Donc, c'est important de respecter ça. Le deuxième piège que je vais vous montrer, c'est un collet, mais cette fois-ci à détente. Collet à détente. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que j'ai planté un bout de bois ici, dans lequel j'ai fait une encoche. J'ai fait l'encoche inverse sur un autre petit bout de bois ici, qui est attaché après une corde, qui lui est attaché sur mon arbre que j'ai plié en haut là. Et sur ce même petit morceau-là, j'ai imposé mon collet. Encore là, la grosseur d'un point à un point du sol. Et ce qui va se passer, c'est que j'ai mon petit lièvre ici qui va s'en venir en courant, va rentrer sa tête dans le collet. Ça va venir serrer et en serrant, ça déclenche le collet et mon lièvre se trouve pendu mort haut dans les airs, ce qui fait que les prédateurs, si je passe pas vérifier rapidement mes collets, ils n'ont pas accès. Donc, j'ai plus de chance de retrouver mon lièvre pas mangé à la fin. Voilà.